Je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne. Merci du fond du cœur. Vos noms s'affichent ici comme promis. Et sachez que si vous souscrivez à un abonnement, si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez, vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui. Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bonne année 2022 à tous. Je sais pas quand la vidéo va sortir, donc du coup, voilà. Peut-être qu'elle va sortir en 2023, on sait même pas, tu vois. Bref. Bonne année à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de 2-3 frérots. On est avec Fafa TV. Fafa TV a une chaîne secondaire. On fait des vidéos mec. Ensemble. On fait des vidéos tous les deux. On se fait des pranks mutuellement. Donc vous pouvez aller check sa chaîne. Elle est en description et elle s'affiche juste en dessous. Je suis aussi en compagnie d'un autre frérot que vous n'avez pas vu souvent, mais qui est avec moi et qui se lance aussi sur YouTube. Il s'appelle Mougli. Sa chaîne YouTube, c'est Mougli. Et on va faire des vidéos ensemble. Donc allez voir sa chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et il m'a fait un prank dans... pour pas dire d'autres noms. Donc allez voir sa chaîne, Mougli, le lien est en description. Et on est aussi en compagnie du frérot que vous connaissez déjà, Lucas. Son Instagram s'affiche en dessous. Ça lui fait plaisir, vous pouvez aller lui parler, il est content. Bon, aujourd'hui, le thème de la vidéo, il est tout simple, on va pas se prendre la tête. Il y a quelques temps, il y a maintenant quelques mois même, j'ai prêté 500 euros à un pote à moi qui était dans la galère, qui était en détresse, il est étudiant. Et il a eu beaucoup de mal à payer genre son logement, tout ça, ses courses. Il m'a dit « Anto, est-ce que tu peux me prêter de l'argent ?» J'ai dit « Ok, je lui ai prêté 500 balles. » Depuis, j'ai plus aucune nouvelle. Il ne me répond plus au téléphone, il ne répond pas au SMS. Et quand je vais sonner chez lui, il ne me répond plus non plus. Donc, ça veut dire clairement qu'en fait, il a déserté et qu'il ne souhaite pas me rendre mes 500 euros. Donc, je ne suis pas à 500 euros près, ce n'est pas le truc, mais j'aime pas qu'on prenne pour un con. Donc, du coup, je vais aller là où il habite. Je vais me faire passer pour un mec de la poste. Je vais lui dire que j'ai un colis pour lui ou une lettre recommandée. Et je vais le faire descendre pour le voir en face et m'expliquer avec lui. Donc, j'espère qu'il est chez lui, j'espère qu'il va descendre et j'espère que ça va bien se passer et qu'il va pouvoir me rendre mon argent. Qui va pas riposter. Et qui va pas riposter. Bien vu Mougli. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère qu'elle va bien se passer. À tout à l'heure. Bon là les gars, on est devant l'entrée de sa résidence étudiant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sonner et je vais voir s'il répond. Je vais lui dire que j'ai une lettre recommandée, que c'est la poste et qu'il faut qu'il descende la signer. Et quand il va descendre, je vais me planquer pour le faire bien sortir. Et une fois que... Parce que s'il me voit d'entrée là, s'il me voit là, à travers les vitres, il va pas ouvrir. Donc il va falloir que je me cache. Bon, je vais sonner. Eh, c'est bon, ça sonne. Oui, oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est la poste, j'ai un recommandé pour vous. Oui, bah attendez, je mets mes chaussures, j'arrive dans 2 minutes. Allez, je vous attends en bas, merci. À de suite. Là, il descend. Il est en train de s'habiller pour descendre. Et je vais me mettre sur le côté vite avant qu'il descende. Et comme ça, quand il descend, eh ben, il va chercher, je me cache, il va pas me voir. Sinon, il va rentrer chez lui. Putain, on voit mon ombre. Attends. Ah, c'est bon. Il sort, il sort. Aïe! Ah, discutez, mais tu penses pas qu'il y a un problème ou quoi? Problème de quoi? Bah, je sais pas, y'a pas un souci. Souci de quoi? Frérot, depuis quand tu vas donner des sous? Frérot, c'est la première question. J'ai une preuve que tu vas donner des sous? Oui, j'ai des preuves, j'ai des messages. Oui, des messages, tu crois? J'ai des messages comme quoi je t'ai prêté 500 euros. C'est un justificatif bancaire qui montre qu'on coach. En fait, là, tu es en train de me la faire à l'envers. Frérot, tu vas m'expliquer pourquoi ça fait 6 mois. Explique-moi juste pourquoi ça fait 6 mois. J'essaye de t'avoir. J'essaye de récupérer. Je te parle, hein, frérot? Ça fait 6 mois. Je t'appelle, je t'envoie des messages, tu me réponds pas, je viens sonner chez toi, tu m'ouvres pas. Je t'ai prêté de l'argent à 6 mois, oui ou non? Ouais, c'est vous. Alors, c'est vous qui m'a dépendu. Alors pourquoi tu me rends pas l'argent? Ça fait 6 mois, tu me réponds plus. Tu fais quoi? Tu vas déménager? Donc explique-moi, frérot, c'est quoi? Je comprends pas. Écoute, déjà, dis à ton caméraman d'arrêter, s'il te plaît, Anthony. Et après, on discutera de ce soir. Non, j'arrête pas, je dis pas à mon caméraman d'arrêter de filmer. Pourquoi? Parce que, frère, toi, tu me donnes 600 balles. 500 balles, ça fait 6 mois, 7 mois. Oui. D'accord? Tu me les as pas rendus? Alors pourquoi moi je devrais arrêter de filmer? Pourquoi moi je devrais faire ce que tu me dis et toi tu fais pas ce que je te dis? Je te demande de me rendre mon argent, tu devais me le rendre au bout d'un mois frérot. Tu m'as dit dès que j'encaisse je te rends l'argent, tu me l'as pas rendu gros. Non mais après tu m'as rappelé pour. Et j'ai fait que te harceler frère, ça fait des mois que je t'appelle. Est-ce que tu m'as donné une date? Tu m'as dit
telle date. Mais tu m'as dit dès que j'encaisse. Donc ça fait 6 mois. D'accord. Et là, tu m'as dit dès que j'encaisse. Oui. Tu n'as pas encaissé depuis 6 mois? Ben non. D'accord. Et ton loyer, il se paye comment? Tu manges pas, je vois pas. Je m'arrange avec mon propriétaire. Tu payes en nature, le loyer? Déjà, même si c'était le cas, ça te regarderait encore. Non, écoute, tu vas arrêter de me prendre pour un con. Tu vois, je m'en bats les couilles maintenant. Tu sais quoi? Tu étais mon pote, tu t'es dépanné, d'accord? D'accord. Ouais, bah, tu m'as dit dès que j'encaisse. Mais si, c'est gentil de ta part. Ouais, c'est gentil de ma part, mais... Alors que tu me le rendes. Mais... Non, là, maintenant. De suite. Là, maintenant, il n'y a rien. Il n'y a pas. Maintenant, il n'y a rien. Et tu crois que moi, je vais laisser comme ça? Bah, tu vas faire comment? Tu connais pas l'expression, on va pas me faire un deuxième truc? Non? Ça te dit rien? C'est abusé. Il est fou. Mais pourquoi tu prêtes des soins à des gens comme ça, toi? Frérot, il m'a fait de la peine. Machin, je peux pas payer mon loyer, je suis étudiant. Déjà, il te prête des sous, il est gentil. Ouais. Et toi, tu le prends pour un compte, tu lui rends pas. Envoie-lui un message, au moins dis-lui, je les ai pas les sous pour l'instant. Non, mais il a fait le mort. Mais tiens-le au courant. Ça fait 6 mois qu'il fait le mort. Ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, c'est fait. Et pourquoi tu partis en courant, là, quand tu m'as vu? Parce que j'ai pas envie de voir ta gueule. Eh ouais, pas envie de me rendre l'argent. Par contre, j'avais envie de voir sa gueule quand il avait. Eh oui. C'était pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Putain, eh non, parce qu'il avait besoin. Eh ouais. Voilà. Il avait besoin, monsieur. L'être humain. Voilà, l'être humain. Donc, vous voyez, les gens, ne prêtez pas d'argent. Même avec les amis, parce que ça casse des amitiés. Tu comptes poster une vidéo sur ça? Oh, t'es au courant, tu sais que je fais des vidéos. Oui. Tu sais, ben voilà, là tu fais partie d'une vidéo. Donc tu comptes faire une vidéo sur moi là comme ça? Donc ça veut dire que là il y a la vidéo qui va sortir et je vais mettre ta figure, ouais. Ah, tu crois, ça y est, c'est bon. Ça va, c'est bon, ça tu vas me rendre, mais c'est ça en rouge aujourd'hui, gros. C'est bon, ça fait longtemps. Ouais, ça fait 6 mois, ça fait trop. Et voilà. Et ben, il faut que tu me les rendes. C'est bon, tu as fait 100 avec depuis le temps, tu peux faire 100 maintenant, non? En vrai, tu comptes lui rendre ou pas les sous? Un jour quand? Bah, quand je les aurai. Donc quand là, tu les as pas? Non, je sais pas. Donc là, tu me fais tourner en rond en fait. Je fais pas tourner en rond. Ah, tu me fais tourner en rond. Mais non, c'est juste qu'ils se sentent pas, je vais pas te dire ça. Tu me fais tourner en rond, il me fait tourner en rond ou il me fait pas tourner en rond? Là, tu fais tourner en rond. Je t'explique, tu m'as bloqué. Numéro, SMS, Snap, Insta. Il y a un truc que tu as oublié de me bloquer, comme un cave que tu es, c'est Facebook. Et sur Facebook, j'ai vu qu'il y a 2 mois, tu es parti en vacances. Oui. Tu es parti en Thaïlande il y a 2 mois. Oui. On est d'accord, oui ou non? Ouais. D'accord, avec quel argent? Avec quel argent? Tu as l'argent, tu travailles. Avec l'argent que tu travailles. Donc, tu as l'argent pour partir en Thaïlande, c'est bien ce que je te dis. Donc, tu as de l'argent pour partir en Thaïlande, mais tu as pas l'argent pour me les rendre. C'était de l'argent coffré. Eh ben, pourquoi tu me l'as pas rendu? C'est l'argent que tu avais coffré. Pourquoi tu m'as pas rendu mes 500 euros? Parce que je suis gentil. Je l'ai pas rentré dans mes comptes. Voilà, donc. En fait. Mais donc, tu as fait un choix. Tu préfères partir en vacances que de me rembourser, on est d'accord? Ouais, c'est sûr, que c'était prévu. Donc, c'est bien ce que je dis, tu me fais tourner en rond. Ça fait 6 mois que tu me fais tourner en rond. Donc, Terminus, frérot, il est quand? Il est où? Terminus, tout le monde descend. Ok, Terminus, tout le monde descend. Tu Viens, tu vas prendre mon argent de suite. Viens. On va aller à la banque. Soit on va à la banque, soit on monte chez toi, on va te prendre des affaires, je te le dis. Je te prends quoi? Ta télé, ta PlayStation, tout. Moi aussi, je vais venir chez vous, je vais vous prendre, les gars. Et tu m'as déjà pris 500 euros, ça suffit pas? Oh. Non, tu vas. Tu m'as déjà pris 500 euros, ça suffit pas? Ça suffit de quoi? Mais c'est fou, vous êtes des fous, les gars, vous venez comme ça. Non, mais c'est quoi? Tu vois, j'ai une meilleure idée. Tu sais quoi? Écoute, je t'explique. Mais regarde, vous êtes des fous. Je t'explique un truc. L'argent, tu vas me le rendre? Ouais, je te donne encore. Je te donne. Ouais, alors moi je donne un mois. Je donne pas un jour, je donne un mois. Je suis gentil, c'est bon. D'accord, je donne un mois. Vas-y, c'est bon. Mais frère, je te donne aujourd'hui là. Aujourd'hui, les 6 mois que tu m'as fait attendre, tu vas pas, ça va pas rester comme ça. Hein. Alors y a pas train de solution, d'accord? Quoi? C'est soit tu me rends l'argent aujourd'hui, tu l'as l'argent? Non. D'accord. Soit aujourd'hui, on finit la vidéo, on te fait une sentence à la CAMOF. Ouais. Et je te donne un mois. Si dans un mois tu m'as pas rendu l'argent, je reviens chez toi. Je rentre et je prends tout. Vas-y, essaye. Non, mais tu me connais. Ouais, vas-y. Tu me connais. Si tu là, je fais une vidéo, je suis gentil. Ouais. Là, j'éteins la caméra. Si je veux, je monte chez toi, on prend tout. Vas-y, c'est mais trois, tu vas faire quoi? Ouais. On va faire quoi? Dis-moi, ben, on va faire quoi? Tu vas quoi? Vas-y, là, on rentre. Allez, viens, on y va. Allez, viens, on va. Viens, on va chez toi. On rentre chez toi, allez. Viens, on va chez toi. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? On y va. On rentre chez toi, tu vas faire quoi? Tu fais quoi là? Retiens-nous. Mais vas-y, retiens-nous. Je rentre chez toi, je pète la porte, je porte plainte. Je porte plainte. C'est un sans rendu. Je t'explique, c'est abus de confiance. Je t'explique, c'est abus de confiance, mais comment je suis pas crédible, j'ai des preuves pour toi. Preuves écrites. Les paroles s'envolent. Alors, c'est quelqu'un d'autre qui a pris mon téléphone qui t'a envoyé un message. Non. Ça va. C'est ton numéro, c'est ton téléphone. Ouais, tu es borné. Tu m'as passé 500. Je t'ai passé 500 balles ou pas? Je vais le dire en caméra, ne dis pas c'est peut-être quelqu'un d'autre. Abruti, tu es filmé depuis tout à l'heure. Donc ne dis pas je sais pas quoi, qu'est-ce fait, on monte chez toi, on pète la porte, moi, on prend tout. Écoute, je te donnerai tes sous, après commence pas à faire des menaces dans la nuit. Moi je fais des menaces si j'ai envie. Voilà, tu vas faire quoi? Si je veux, je rentre chez toi maintenant, on rentre chez toi. Voilà. Allez, même le petit on l'enlève, allez, on est tous les deux, tu vas faire quoi? C'est bon. Donc je t'explique. Aujourd'hui, on va finir la vidéo.
on va te faire une sentence façon Kamoff, parce que les gens, ils aiment bien avoir du divertissement aussi, d'accord? Et dans un mois, je veux mes sous. Parce que dans un mois, j'ai pas mes sous, je te prends un coup de tête et je monte chez toi et je te prends tout. Si tu me réponds plus, la vidéo, je te défloute, et je montre à tout le monde ton visage. Vas-y, d'accord? Vas-y, ça te va? Allez, viens avec moi. Vas-y, viens. Allez, viens. De quoi tu vas me faire quoi comme sentence? Ah ben ça, mon ami, il y a plusieurs trucs, hein? Ouais. Tu as payé tes 6 mois de galère, ok? Tu m'as fait tourner en rond. Ouais. Ok. J'ai pas vu la fin. Non. Ben moi, je vais te faire tourner en rond et je vais te faire voir le terminus plusieurs fois. De quoi tu parles de terminus? Un peu tous les terminus. Ouais, un peu tous. Un peu tous les terminus. Comment ça, tous les terminus? Ben tu vas voir. Allez, viens, on va monter. Je vais te montrer. Je te l'ai dit tout à l'heure. Alors, regarde. C'est rien, n'aie pas peur. C'est soit tu me rends 500 euros aujourd'hui. Tu as un mois pour me rendre 500 euros. D'accord? Si tu me rends pas mes 500 euros dans un mois, je viens chez toi et je te pète la porte. Je pense pas. D'accord? Allez, on s'arrête au prochain arrêt, on te laisse. Nous, on te laisse ici, ok? Hein? Mec, qui c'est qui m'a fait cavaler pendant 6 mois? Qui c'est qui me répondait plus au téléphone? Qui c'est qui me donne l'argent? C'est toi ou c'est moi? C'est toi ou c'est moi? Je te parle, c'est toi ou c'est moi? Ah, t'as plus envie de parler. Si tu me rends pas mon argent, je te jure qu'on vient chez toi. C'est beau, c'est bien le tour de Marseille. Voilà, du coup, on parlait de tourner en rond terminus, vu que t'aimes bien la RTM apparemment. Allez. Un mois, à la fin du mois, je veux mon argent. Donc à toi de voir, quoi. Ciao, mec. A plus. Bon, mais du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Viens, gros, viens. Il y a Mougli qui nous suivait en voiture. Donc, du coup, bah, depuis tout à l'heure, il nous suivait derrière. Heureusement qu'il était là parce qu'on a pris le bus, c'est lui qui nous a récupéré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Juste le message que je vais faire passer, c'est ne prêtez pas d'argent. Parce que l'argent, ça toujours, c'est toujours un tabou et si vous voulez, ça fait toujours des problèmes. Même quand il ne doit pas y en avoir. Donc, voilà, si vous prêtez de l'argent et que ce soit, attendez-vous aussi à avoir des problèmes comme j'en ai eu moi aujourd'hui et comme je vous ai montré. J'espère que le mois prochain, il me rendra mon argent. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. D'ailleurs, l'Insta, il s'affiche en bas. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Donc, merci à Mougli qui était là. Je le répète, il a une chaîne YouTube. La vidéo est sortie où il fait des pranks à moi et à Fafa. On est tous les trois sur la vidéo. C'est à pleurer de rire. Son lien est en description. Je suis aussi avec Fafouné. Je le remercie d'avoir été là, qui est tout le temps dans mes vidéos. Il fait des vidéos aussi. On fait des vidéos tous ensemble. Donc, sa chaîne est en description. Et le petit Lucas aussi, qui est disponible sur Instagram, si vous voulez lui parler. Et il répond à tout le monde. Voilà, vous vous plaignez de ne pas avoir assez de vidéos. Si vous voulez me voir en plus des vidéos le mercredi et le dimanche, n'hésitez pas à aller sur leur chaîne aux frérots, aux deux, et vous me verrez avec eux. C'était Kamoff, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à mercredi prochain, 18h. Ciao.